Audio Jungle. Charge, elle a 18 ans. J'habite le quartier Makepe. Je suis restauratrice traiteur. Mes débuts dans ce métier. En fait, je suis née dans une famille de cuisiniers. Papa faisait très bien la cuisine, maman était une très bonne cuisinière, donc moi je commence à préparer, si je me rappelle bien, dès l'âge de 9 ans, et je grandis avec ça. Un jour, je ne sais pas ce qui s'était passé, je ne me rappelle pas très bien, mais je sais que c'était parti, le déclic était parti de la maison, ça veut dire, maman avait le restaurant, elle avait, on appelle ça les beaux. Elle avait un tournure d'eau à la maison où les gens venaient prendre les boulons pour les piquettes. Donc en plus de son travail qu'elle faisait de lundi à vendredi, le samedi et dimanche, elle faisait du boulon et de la grillade tous les week-ends. Quand je grandissais, quand je me suis dit pourquoi ne pas faire de ça mon métier, et puis c'était parti de là, et puis voilà. Le plus c'était de voir mon père, surtout mon père qui faisait la cuisine quand on rentrait des classes, parce que on avait trois portes dans la maison. Il y avait la porte principale, mais tout le monde passait toujours par la porte de derrière, parce que par la porte de derrière il y avait la fenêtre de la cuisine, et quand on passait par là, il fallait si les odeurs sortaient de là, ça veut dire que papa, parce qu'il était déjà en retraite, il était à la maison. Du coup, quand on passait par là, on savait que papa, il a fait la cuisine. Donc, quand on s'appelle, une bonne odeur sortie de là. C'est ça qui m'a fasciné, voir mon père cuisiner tout le temps. J'aime préparer pour les autres, déjà. Hein. Ce n'est même pas le fait de mettre l'argent en avant ou quoi que ce soit, mais pour moi le fait de préparer pour les autres, je pense que si pour la cuisine, si tu n'es pas organisé dans la cuisine, tu ne peux pas t'en sortir. C'est parce qu'il y a la concurrence qu'il faut baisser les bras, il faut bosser dur, il faut innover, il faut faire découvrir de meilleures choses, de belles choses. Ce métier, c'était d'abord une passion pour moi. Donc j'ai fait de ma passion mon métier. Je ne me suis pas levée un matin, j'ai dit je vais faire la restauration. Non. C'est un métier que j'avais depuis toute petite et j'avais décidé de le faire. Donc, si je n'avais pas fait la restauration, j'aurais été dans l'armée. C'était les deux métiers qui me passionnaient, la restauration et l'armée. Donc, comme j'avais opté pour la restauration, je vais me lancer. Et puis voilà, pour ma petite expérience, je crois que ça va. Je ne me plains pas beaucoup, mais ça va. Mon plus grand projet, c'est de rentrer à l'école, parce que je voudrais devenir un grand chef. Un grand chef de cuisine. Donc je veux rentrer à l'école pour 2, 3, 4 ans peut-être, et puis revenir
bien, revenir bien solide. Pourquoi pas ouvrir un grand restaurant gastronomique au Cameroun et puis trouver une école pour partager mon savoir avec les autres. D'avoir perdu ma mère très tôt. Ça fait 18 ans. 18 ans que c'est bon. Non, 17 ans. You are the living God, oh. There's no one like you. Hey, cool am I? Hey, cool am I? Hey, cool am I? Hey, cool am I? You are the living God, oh. There's no one like you. Comme moi qui voudrais faire ce métier, de ne pas le faire parce qu'on a des collègues qui aiment le faire, non? De le faire parce qu'ils aiment ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils aiment ce qu'ils veulent faire. Et à mes consoeurs, je leur demande d'être honnête et de ne pas, surtout pas baisser les bras par rapport à tous les obstacles qu'on rencontre tous les jours. Donc aux jeunes comme moi, je dis tout simplement que faites honnête dans ce qu'on fait, ne jamais baisser les bras et il faut croire en soi. Et de ne jamais avoir peur de tomber, parce que quand on tombe, on finit toujours par se relever.